the Global Green Growth Institute, working with developing countries to achieve poverty reduction and inclusive, sustainable economic growth. Formation en télédétection et système d'information géographique. Cette formation a été organisée pour permettre aux membres du réseau PNJIM, qui sont environ au nombre de 30, de pouvoir mieux comprendre les projections, dans un deuxième temps, se familiariser à certains supports de télédétection, des satellites d'observation de la Terre, dans un troisième temps, de voir comment on traite les images de satellites en termes d'occupation des terres pour produire des cartes qui sont en réalité des outils d'aide à la décision et ressortir des statistiques sur l'évolution du couvert végétal pour conseiller les décideurs en toute connaissance. Les données que nous disposons par rapport à l'occupation des terres vont nous permettre, après traitement, de les diffuser parce qu'au niveau de l'Observatoire national du développement durable, nous sommes amenés à collecter et aussi à diffuser ces informations. Non seulement ces informations vont parvenir aux décideurs, et aussi, ces informations sont disponibles pour le public, à savoir les étudiants ou les chercheurs. Au cours de la formation, nous avons eu à utiliser des images du capteur Sentinel-2, qui est une plateforme de l'Agence spatiale européenne. Nous avons eu à utiliser des logiciels de traitement d'images, un logiciel propriétaire et un logiciel open source. Pour le système de mesurage, rapportage et vérification MRV, la connaissance de l'évolution de l'occupation des terres peut permettre aux décideurs de connaître dans le futur proche quelle sera la situation de la couverture végétale d'un pays. Connaître la situation de l'évolution du couvert végétal peut amener le décideur à prendre des décisions en matière de réhabilitation du couvert végétal du pays. De plus en plus, on parle de changement climatique, on parle de réchauffement global. En réalité, c'est parce que d'une part, les ressources ligneuses en termes de végétation ne font que s'amenuiser et ne participent plus à l'équilibre global. Il y a plus d'émissions de dioxyde de carbone et les végétaux qui ont cette capacité de stocker le carbone, si cette capacité de stockage diminue, et on continue à émettre plus qu'il n'en faut, inévitablement, des dérèglements climatiques peuvent intervenir. Au niveau des différentes structures, l'analyse diachronique d'une situation passée à une situation récente peut permettre aux producteurs de l'information ou aux décideurs qui s'appuient sur le technicien peuvent les permettre d'avoir des décisions éclairées. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on continue à développer une masse critique de techniciens qui sont à même de s'intéresser à la question du traitement des données spatial. Et un technicien qui travaille dans un domaine a toujours besoin de la connaissance d'un autre technicien qui est dans un autre domaine, souvent pour aborder la même thématique. Les thématiques sont complémentaires, elles ne sont pas cloisonnées.